reborn. Chaos reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Souborn. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vraiment, les sorciers n'ont pas honte. Les sorciers, ils n'ont pas honte. Mes frères et sœurs, dans ce monde, il y a beaucoup de choses. Ce monde dans lequel nous sommes est un monde multidimensionnel. Ici, on nous dit qu'il y a des mauvais esprits aussi. Comme il y a le Saint-Esprit qui nous fait du bien, il y a l'esprit du mal qui travaille pour enfoncer les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez faire sortir la tête de tout, l'esprit mauvais là auront pour travail de vous mettre la tête dans le trou. C'est-à-dire, ça va donner un truc du genre. Toi, tu veux faire sortir ta tête hein, du trou. Hein, genre comme ça. Là, eux, ils seront en haut. Hein, ils vont venir pour appuyer ta tête dans le trou en même temps. Pour appuyer la tête dans le trou. Pour ne pas que tu puisses sortir de là. Et c'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes qui vivent beaucoup cela. Surtout en Afrique. Les gens se disent, les gens se posent la question, mais pourquoi est-ce que l'Afrique ne vole pas? Pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance là-bas? Pourquoi est-ce que souvent c'est compliqué? Mes frères et sœurs, il y a la sorcellerie ici. C'est la sorcellerie et les sorciers qui ne veulent pas voir certaines personnes réussir. Qui ne veulent pas voir les gens réussir. Et à cause de la présence nombreuse de ces gens-là, vraiment, c'est compliqué pour une personne de réussir. Ça fait que pour réussir, vraiment, c'est plus facile. C'est le plus facile. C'est là que vous allez remarquer que vraiment, vous ne pouvez pas réussir facilement. Ou bien vous allez lutter pour pouvoir réussir. Vraiment, vous allez sentir que vous allez lutter. C'est parce que il y a des gens qui ne vous donnent pas tout pour vous réussir. Les gens qui vous arrachent tout pour que vous ne puissiez pas réussir. Et ces gens-là, ce sont des sorciers. C'est ça la réalité. Maintenant, pourquoi je vous dis que le sorcier n'a pas honte? C'est là que vous allez le comprendre. Je vous dis que le sorcier n'a pas honte parce que il n'a vraiment pas honte. Il n'a vraiment pas honte. Il ne connaît pas la honte. Quand je vous parle de ça, je vois tellement de cas, je ne sais même pas par où commencer. Tout ce que je vous raconte ici sur ce bon, c'est ce que je vis. Donc, croyez. Même les sorciers croient ici. Les sorciers croient parce qu'ils savent qu'ils sont dit la vérité. Le sorcier qui t'attaque là, ça sera le même qui va venir vers toi pour essayer de te prodiguer des conseils ou bien te donner des solutions à tes problèmes. Le sorcier n'a pas honte. Celui qui te poursuit la nuit dans ton sommeil, ça sera le même qui a venu le matin pour te poser des questions du genre, est-ce que tu vas? Ah, est-ce que tu vas? Tu es sûr que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as bien dormi? Ah, la main, je te vois, dès que toi, tu as couru la nuit. Papa, ça me fait rire. Quand tu penses, ça me fait rire. Quand vous êtes face à cela, et que vous êtes face à un tel individu, vraiment, vous avez envie de le porter, non? Mais, dans le combat spirituel, il n'y a pas la bagarre. On se lance pas des coups de poing. Si vous lancez des coups de poing avec un sorcier, c'est que le sorcier là vous a vu. Il vous a vu. Parce que vous êtes censé faire le combat en esprit. Donc s'il s'approche de vous et qu'il vous cherche, il vous marche même sur le pied et que vous aussi vous répliquez, il va dire que vous êtes bête comme lui. C'est ça!
C'est quoi c'est? Est-ce qu'il se passe? Le sorcier n'a pas honte. Le sorcier n'a pas honte. La même fille sorcière qui cherche son mari, là, ce sera la même fille hein, qui a venu le matin pour te dire, ah ma chérie, est-ce que tu sais que ton mari te trompe? Maintenant, j'ai dit, ah, il me trompe avec qui? Il me trompe comment? Non, c'est pas possible. Elle va essayer de te convaincre que oui, ton mari te trompe. Pour que tu puisses te mettre en colère. Pour que tu puisses te fâcher, t'énerver. Pour aller voir avec qui ton mari te trompe. Et elle va te dire que, oh, je connais la personne avec qui ton mari te trompe, je la connais. Attends, je vais aller te la montrer, je vais te montrer la personne, je vais te montrer la personne. Alors que c'est elle-même. Alors que c'est elle-même avec qui ton mari te trompe. Souvent là, cette personne-là peut être ta meilleure camarade, ta meilleure amie. Ta meilleure amie sort avec ton mari. Elle a fait la sorcellerie sur toi, mais tu n'es pas au courant. Mais en même temps, toi, quand ton mari te frappe à la maison, du coup, tu vas avec elle. Tu lui expliques tes problèmes. Et puis, elle parle aussi. Elle aussi, elle parle. Elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte. Elle parle. Elle m'a dit, ton mari, là, lui aussi, comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment est-ce qu'il peut faire ça? Non! Je vais aller lui dire deux mots, mais toi, tu dis non, ne va pas lui dire deux mots, parce qu'il faut le laisser. Non, je vais aller régler ton problème, parce que j'ai réglé ton problème. Alors que c'est tellement hein, que la source de ton malheur, c'est à cause d'elle que ton mari t'insulte, c'est à cause d'elle que ton mari te frappe à la maison. Souvent là, Dieu nous dit, on a les yeux, on ne voit pas, on pense que c'est de la blague. Oh, oh c'est vrai, c'est vrai, oh. C'est vrai! C'est vrai! Tu marches avec ton propre sorcier qui te met des bâtons dans les roues au travail. Mais comme il vient comme un bon ami, un de tes meilleurs amis, tu ne peux même pas penser ni t'imaginer que c'est lui-même qui te crée des problèmes au boulot. Quand il vient avec toi, il rit avec toi, il est jovial. Et quand tu viens lui raconter tes problèmes au travail, lui aussi te dit, eh non, ça va aller, écoute, ça va aller, je te console. Alors que lui en bas, c'est lui qui met le feu pour qu'on te renvoie. Le sorcier n'a pas honte. Le sorcier n'a pas honte. Et si toi, tu as la capacité de voir un sorcier, et que eux ils savent que tu le vois, hein, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont plus se cacher maintenant. Ils vont plus se cacher. Ils vont faire des bêtises. Et puis ils vont venir devant toi pour te regarder comme ça. Comme des gens qui sont insensés. Vraiment, je me dis souvent, je suis là, je dis, mais quand je regarde la sorcellerie, je me dis que ce sont les choses des gens qui sont bêtes. Ce sont les choses des gens qui ne réfléchissent pas. Ce sont les choses des gens qui ne sont pas intelligents. Et je comprends pourquoi Dieu dit que ce sont les insensés. Des insensés. Faire du mal aux gens, ça leur fait du bien. Faire du mal aux enfants des gens, ça leur procure du bonheur. Ils rient quand ils attaquent une personne. Quand un enfant de Dieu tombe, ça fait leur joie. Quand une personne échoue, eux sont contents. Et ils viennent physiquement encore en plus de souhaiter votre malheur, ils viennent physiquement vers vous pour faire semblant comme s'ils souhaitaient votre bonheur. Le sorcier n'a pas honte. Moi, j'ai subi beaucoup de cas. Par exemple, j'avais perdu une personne. J'ai vraiment perdu une personne très chère, vraiment, ça m'a tout fait mal. Et un jour, j'allais rendre visite à quelqu'un. J'arrive là-bas, la personne me dit, ah vraiment, je sais que ce que tu as vécu là, ça te fait mal, mais il faut que je te dise la vérité. Vraiment, si ce n'était pas la personne là qui mourait, ce serait moi. Je dis, oui. Qu'est-ce que ça veut dire?
Si ce n'est pas la personne là qui mourrait, ce serait toi. Ça veut dire quoi? Ça veut même dire quoi? Le sorcier n'a pas honte. Souvent, il vous dit, vis-à-vis, il vous montre par les œuvres, par les signes qu'il est un sorcier, mais vous pensez que ce sont des histoires. Vous pensez que c'est de la blague. Il y a beaucoup ici, il y a beaucoup de personnes ici là, qui sont en train de marcher avec des amis sorciers. Moi, je le vois. Matin, midi, soir. Aujourd'hui, vraiment, hier d'abord, j'ai été choqué par quelque chose. Ouais, c'est ainsi, les gens cachent beaucoup maison des gens. Ou bien les commerçants, les gens qui vont sur la route, les gens viennent les chasser, tout ça. Ils avaient chassé vraiment beaucoup de personnes. Des milliers de personnes ont été chassées de là où ils avaient l'habitude de faire leur commerce, là où ils avaient l'habitude de chercher leur argent. J'ai vu ça m'a vraiment choqué. Je me dis vraiment, il faut que vraiment les choses entrent en ordre. Si on ne veut pas quelque chose pour ces personnes-là, si on les chasse comme ça, ce sera encore le taux de chômage qui va augmenter. Et je pensais comme ça. Mais j'étais choqué par rapport à ceux qui ont fait. Je me demandais, mais qui peut même aller casser les magasins des gens? Qui peut aller prendre camion pour aller casser, c'est-à-dire qui peut aller prendre les caterpillars pour aller démolir les maisons des gens ou les magasins des gens qu'ils ont pris du mal à construire? Je me demandais, j'ai dit, mais comment le cœur de l'homme peut-il être comme ça? Le matin, là où je sortais, tout à l'heure, je suis sorti aller acheter la nourriture. Attendez. Il est allé acheter la nourriture. Le Dakar. Là, tout à l'heure, quand je suis sorti, là, il dit. Moi, je parlais comme ça. Je parlais comme ça en esprit. Je parlais cela de mon cœur. Les gens qui sont à la base de ça. Ils se sont présentés devant moi. Ils sont venus sur le terrain. Faire exprès pour que je puisse les voir. Parce qu'ils sont venus, devant moi. Pour que je puisse voir comment ils sont en train de faire pour démolir, même anéantir les œuvres d'autrui. Ça, c'est la sorcellerie. Et j'ai regardé ça comme ça. J'ai vu les gens j'ai vu des corbeaux dedans. J'ai vu des êtres humains. Je me suis dit, moi ça là, je ne mets plus ma bouche dedans. J'ai dit ça, je ne mets plus ma bouche dedans. Parce que tu vas mettre ta bouche dans cette affaire là. Alors que ceux-là même que tu veux défendre, eux aussi sont dans la sorcellerie. Eux aussi ils t'attaquent. C'est là que j'ai dit, je m'en lave les mains. Je m'en lave les mains haut. Je regarde mon chemin, je marche tranquillement. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'éloigne de beaucoup de choses. Voici le monde dans lequel nous sommes. Le monde dans lequel nous sommes est un monde vraiment rempli de sorciers. Le plus grand problème de ce monde, c'est la sorcellerie. Il y a la sorcellerie, il y a les sorciers partout. Les gens sont méchants. Les gens ont un cœur dur. Les gens ont un cœur très mauvais. Très mauvais, si vous êtes bon, ces gens-là, s'ils sont près de vous, ils vont vous manger. Un moment donné, vous avez l'impression que c'est plus vous êtes méchant eux que vous avez la paix. Retirez-vous d'eux. Retirez-vous. L'amitié, c'est pas forcé. Il est préférable de marcher seul qui est mal accompagné. Les sorciers n'ont pas honte. Celui qui te fait du mal. Quand il vient pour faire semblant de pleurer avec toi, qu'est-ce que ça donne? Ça donne les sorciers n'ont pas honte. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, c'est triste. Mais il fallait que je vous en parle. Il faut que je me libère. Il faut que je me libère comme ça, que je dégage. Parce que je ne peux pas garder en moi toutes ces informations bidons. Mesdames, vous les frères. Les frères et sœurs, faites attention. Ce monde ne nous appartient pas. Le diable a déjà placé ses gars dans tous les secteurs de la société. Tu vas dans le gouvernement, ils sont là-bas. Tu vas à la banque, ils sont là-bas. Dans tous les domaines, même chez la vendeuse du quartier.
Le diable a 6 yeux. Des agents du diable partout. Vous faites des bêtises dans le monde. Ce monde est un monde terrible. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez voir que ce monde n'est pas votre monde. Il va falloir que vous soyez seul. Il va falloir vous retirer. Voilà, il va falloir vous retirer. C'est pourquoi Dieu nous a dit que n'aimez point ce monde, ni les choses de ce monde. C'est parce que ce qui se trouve dans ce monde n'est pas la gloire de Dieu. Donc si toi tu es accroché à la chose de ce monde, ça va t'éloigner non seulement de la gloire de Dieu, mais ça va te conduire aussi à la mort, parce que c'est le point final. Et après, les démons vont venir te chercher. N'allez pas à l'enfer. Éloignez-vous de ce monde. Si ça ne t'arrange pas, toi, tu sais que tu n'es pas habillé de façon sexy. Mais à cause des gens, tu le fais. Ma soeur, il faut arrêter. Les filles qui pour aller au travail, elles se disent, oh, je dois me maquiller parce que si je ne suis pas maquillé, on me renvoie mon boulot. Eh, Seigneur, que Dieu t'aide. C'est pas forcé de t'habiller aussi de façon sexy. Parce que ton patron te demande de t'habiller de façon sexy pour séduire les clients. Tu es une prostituée ou bien tu as travaillé déjà à l'école pour venir t'asseoir ici. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.